Nous revoilà. Regardez. Je suis un voleur. Je vais te tuer. Ou pas. Nice try. Donc vous voyez, là, je tire, je garde mon arme en main gauche. Comme ça, quand je rafle, en fait, j'ai les deux armes. Si j'avais un arc, je ferais ça. J'aurais l'arc en main droite, l'épée en main gauche. Je tirerai, je prendrai l'arc en main, à deux mains. Ok. Et du coup, quand je remettrai mon arme au cac, l'arme à gauche, elle serait qui prépare. C'est un bug qui est très connu sur ce jeu, qui n'a jamais été résolu. C'est un bug qui existait depuis la version 2012. Hein. Rappelons que la version Steam, c'est censé être une version patchée de la 2012. Voilà. Je vais vous massacrer. Je vais vous massacrer. En es-tu bien sûr, mon ami? Parce que, loin de moi, l'envie de te faire passer pour un tocard, mais tu viens de te faire défoncer la gueule, là, mon petit pote. Mon petit pote. Alors, ici, il y a un mec caché qui vous permet d'avoir une clé pour arriver dans une zone secrète de... du donjon. Le capitaine Okata veut vous voir. Ah bah, moi aussi, je vais le voir. Il faut que mon épée dans la tronche. Bah, lui là. Gemini Crickets. Enfin, Gemini Rickets. Gemini Rickets, quoi. Et là, la Black Key. Et l'anneau de la mobilité. Et ce poignard qui est pas dégueu, hein, parce que c'est une off-end dégâts 7-10. Bon, bah, j'ai 9-13, certes, mais ça, c'est une excellente off-end. Hein. Absolument excellente, hein. Sans vouloir, c'est très 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 fort comme offend, hein. Très très fort. Hein. Qu'il avait Gemini Rickets, Gemini Rickets quoi. Sérieusement, David. Dans les rats des égouts, par contre, on s'en serait pas, c'est les gars. Vraiment. Alors, j'ai spawné où ici maintenant moi? Ah oui, j'ai spawné à côté du théâtre. D'accord. Salut les gars! Ouais, vous m'avez vu passer il y a 2 minutes, hein! Le capitaine Okata veut vous voir! Mais je suis nouveau là. Qu'est-ce que vous croyez? J'aime vous entendre dire qu'Okata veut me voir. Que voulez-vous? C'est plus fort que moi. C'est comme ces gars. Ça va bâcher! Un coup d'épée dans ta gueule, pan! Bah alors là, on va y aller. Eh, vas-y, tu vas mourir! Et pan et bim et boum! Et pan et bim et boum! Bon, l'archimage, là, tu t'es fait défoncer. Et ça, voulez-vous battre, vous aussi? Vous voulez mourir? Pas de problème, il n'y a qu'à demander. T'as vu toi là-bas? Lui, il est malin, lui, il a essayé de se cacher. Mais il a fail. Au moins, il a essayé, lui. Pas comme ces clochards. On mord comme des merdes pour me filer du loot, pourrave. Ah, il a la clé, lui. I was wondering. On joue à Wizards and Warriors, moi. On va d'abord utiliser la clé noire qui nous a été donnée par Gemini Rickets. On va faire un petit point juste sur un petit truc d'abord. C'est la classe finale du jeu. Donc je t'ai dit, on va avoir droit à une dernière classe. Classe Ellie, tout ce que vous voulez.
Cette classe est obligatoirement une évolution d'une des deux classes avancées. Contrairement à Chevalier Valkyrie qui devait être lié aux classes de départ, mais pas forcément des évolutions. Chevalier, c'est une évolution directe de guerrier. Valkyrie, c'est pas une évolution, c'est une classe liée. Bon, cette classe-là sera forcément une évolution, soit de chevalier, soit de Valkyrie. Évolution de chevalier, c'est Lord. Qu'est-ce que ça apporte, Lord? Le fait que vous pouvez vous battre avec deux armes lourdes. C'est-à-dire, je pourrais utiliser deux épées comme j'ai en main droite. Donc, je pourrais utiliser mon super katana en main gauche, par exemple. Valkyrie, l'évolution, c'est Ange de guerre. Ça te donne un skill qui fait que tu as une chance de te régénérer des points de vie à chaque fois que tu frappes. La quantité de points de vie que tu régénères à chaque fois que tu frappes, les tests montrent que c'est quelque part entre 8 et 12 points de vie. On va dire 10 points de vie en moyenne. Bon. Il s'avère qu'à l'heure actuelle, je suis que niveau 21, j'ai déjà 600 points de vie. Et en fin de jeu, t'es niveau 40 plus. Vous croyez vraiment que se rendre 10 points de vie à chaque fois que tu frappes, c'est énorme? Alors, en vérité, vu la vitesse à laquelle tu frappes, oui, ça rend quand même pas mal de vie, en fait. Mais je pense quand même que ça vaut pas le fait d'être Lord. C'est du bon coffre de merde. Hein. C'était pas ici. Étions point de ce côté-là. Étions peut-être de l'autre. Non, c'est pas là en fait, du tout. Ça, c'est juste des petites salles sur le côté, voilà, avec des petits gars gentils, quoi. M'excuse, Davenmore, je fais le ménage chez toi. Alors, nous avons un bouclier qui est fort bon. Vraiment. Je vais pas utiliser forcément de bouclard. Bon, Ekel et Jekyll, là, qu'est-ce que vous voulez, là? Qu'est-ce que vous voulez, là? Vous n'avez pas remarqué que vous avez 50 de vos potes qui sont morts comme des merdes. Juste devant. Ça vous fait pas tilt. Un bâton de mage, dégâts 8, 11, intel plus 4, attaque plus 4, c'est pas mal. Le problème, c'est que c'est un last léger, donc tu peux pas mettre ça en off-end. Hein. Et en main-end, je suis désolé, mais j'ai une arme tellement pétée que... je veux dire... J'ai une arme tellement pété, les gars, en main end. Can't touch this. Non, c'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment can't touch this, là. Donc, Davenmore, vous livrez en... Enfin, vous pouvez monter pour tuer Captain Okata, là. Et là, on va arriver chez les prisonniers, là, en bas. Mais on s'en fout. On va pas les libérer, les prisonniers, tout de suite. Vous voyez là, toutes les mandales que je distribue, si chaque mandale me soigne 10 points de vie, effectivement, je vais me healer là. Donc ange de guerre, c'est pas si mal. Hein. C'est juste que dans l'absolu, par rapport à tous les points de vie que vous avez, c'est pas impressionnant quoi. Surtout dû au fait que ange de guerre, tu vas te soigner, mais tu vas taper moins fort. Donc si tu tues un peu moins vite... Tu prends plus de dégâts, donc ça compense le fait que tu te soignes. Vous voyez? Bon, j'ai pas la clé des prisonniers. Hein. Donc tu ailles tuer le capitaine Okata, je crois, pour avoir la clé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme loot? Des bottes armure 8. On a armure 9. Voilà.
Pour monter la deck, c'était pas nécessaire vu que j'ai 100% en attaque, mais bon. Que voulez-vous? Hop, on a après régénération. Et c'est Acrosti Bat. Tu veux te battre? Ah tiens, connard. Toi aussi, connard. Tiens, connard. Avec moi, y'a pas d'ingrat. Donc si je m'abuse, c'est par là qu'il y a la porte qui s'ouvre avec la clé noire. Et vous le regrettez pas en termes d'XP. Objet requis. Ben non, c'est pas celle-là. La porte doit s'ouvrir derrière. On va déjà aller buter Okata là. Vous sortez d'où vous? Il y a littéralement un cul-de-sac derrière. Vous sortez des murs. Voilà, j'ai 15 ancrés au coup écrasant. Plus qu'un point. Et on aura capé coup écrasant par rapport à l'efficacité du skill. Les gars, je one shot là. Qu'est-ce que vous cherchez là? À vrai dire, quel est votre objectif de vie? Jambes de plaque, si c'est pas des jambières de plaque améliorées. C'est 12 en armure, hein, je veux dire, mais ça c'est encore pas. C'est armure 19, les gars. Ces jambières, je vous ai dit dès le départ. On va les garder très longtemps. Et on va les garder très longtemps, hein, je veux dire. T'es con ou quoi? Alors toi, t'as pas gagné à la grande loterie de la vie, hein. Ah, oups. On tourne chez Davenmore. J'ai pas fini, là. Je vais faire planter le jeu à force de provoquer des temps de chargement, moi. Ok, il y a un autre. Ok. Mec, je t'explique. Dans la vraie vie, quand on utilise un bouclier et qu'on frappe, on n'écarte pas le bouclier pour frapper. Parce que sinon, ça sert à rien d'avoir un bouclier. Dans la vraie vie, quand on a un bouclier et qu'on frappe, on garde le bouclier baissé et on glisse son arme le long du bouclier. C'est moins spectaculaire, mais au moins, le bouclier, il sert à quelque chose. Oh là, je suis carrément du tourbilol maintenant. Ces bottes, c'est quoi? Bottes de druide, non enchantées, inutiles.
Bon, peu de chance qu'il y ait du gros stuff là-dedans, mais bon, on sait jamais, hein. C'est pas mal entendu. Pourquoi j'ai deux cristaux de vie? Je sais pas. Bon, je vais aller voir Otaka en dernier. Okata, il est là-bas. Bien sûr, Okata. Ouh, une sorcière. Dommage la sorcière. Regardez, comme ça, j'aurais pu rencontrer chez les Fatiens, déjà, à Ulm. Il s'avère que je n'en ai point rencontré, mais j'eus pu. Ici, c'est la salle au trésor. Je devrais save scum ces coffres qui sont parmi les meilleurs que je puisse avoir trouvé là actuellement, mais bon. Faucheuse d'argent. Dégâts 4-10, c'est naze. Halbarde. C'est naze. Gantelet de Mithinir plus 5. Des gantelets en code de maille, armure 21. Je perdrai 1% de dégâts, mais ça va pas se ressentir beaucoup, 1%. Sceptre du givre. Alors, sceptre du givre, normalement, il fait très très mal quand vous tapez avec. Le problème, c'est comme souvent, ça reste une main hand. Et en main hand, encore une fois, je veux pas être méchant, les gars, mais bon. Mon problème, c'est vraiment mon off-end, elle a pas assez de durabilité. Hein. Pas grave, hein, si je trouve des trousses de réparation. C'était pas dégueu, hein, ce que j'ai eu, attention. Hein, c'est juste pas fou, fou dingue, quoi, mais... Brassard de puissance. Ah bah voilà. Je perds un point de parade, mais je gagne un point d'attaque et je gagne 10% de dégâts. Je pense que je suis gagnant au final, vous voyez. Allez, Captain Okata. Je vais mourir! Mort et faible, et
Oh, il s'est fait défoncer, Okata. C'est-à-dire que là, je me suis buffé avec le truc super guerrier de la mort qui tue, là. Il avait aucune chance, le pauvre Okata. Il a explosé. Sprouch ! En plein vol. J'ai échoué! Oh, j'ai échoué! Le mauvais! Le mauvais! Le mauvais! J'ai pas fait de save en plus avant. Point, 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 point! La valeur est faible. Et toi, t'es quoi alors, connard? Alors. On va virer. Home du Clipiten, armure 6, attaque 2, critique 1. Je perds 2 en armure, mais bon, c'est un meilleur look, quoi. Bouclier de guerre. Il vaut rien, ce bouclard. Épée longue. Mec, c'est vraiment avec ça que tu te battais? What, you serious, dude? Tu battais vraiment avec cette merde? Oh man. Oh man. J'ai eu quoi comme nouveau sort? Tiens, j'apprends un nouveau sort, visiblement. Une Nova! Oui, 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 oui. Oh, on va virer la Nova de guerrier. Explosion unique, elle fait 11 à 19 dégâts, c'est un peu de la merde. Armure de plaque. Rien de particulier, mais ça vaut de l'argent. Bon, écoutez, on va s'en contenter pour l'instant. Non, c'est pas toi que je parlais, connard. Mais connard, dégage. Mais t'as fini, oui. Botte de maille. À chier. Bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Pom, 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 pom. Est-ce qu'il n'y a pas un autre coffre, là, vraiment? Ah, mais si, il y a du coffre. Alors, hache de guerre en argent. C'est sympa, ça vaut de l'argent, quoi. Pas comme ça, c'est du caca. Après, on s'en fout de l'argent, on est d'accord. Mais bon. C'est du caca. C'est du caca, 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 caca. Alors, on va libérer Davenmore. Oui, je me suis quand même chié dessus, même avec 15. Sur une serrure de difficulté 5. Hein. Donc, une serrure de difficulté 12, à mon avis, 16, ça suffira pas. Hein. Il va falloir save scum comme un taré. Hein. Écoutez, tant pis, c'est pas grave. Salut les soldats. Vous devez trouver Davenmore, je sais où il est, connard. Hein.
Voilà. Les incompétences, sa biche. Et Abad avait mort. Alors, fais-moi le kéké, hein. Non, t'attendras. Soldat d'abord. Malédiction. Ma maisonnée est un nid de traîtres. Je te l'avais dit, connard. Le capitaine Okota nous a tous trahis. Espion qu'il est au service du seigneur Barogrim. C'est seulement grâce à votre bravoure que le combat n'est pas déjà perdu. J'espère que vous m'apportez des nouvelles de bon augure. Dites-moi, avez-vous retrouvé ma fille? Non, toujours pas. Parlez, Dieu. Mon tourment n'en finira-t-il donc jamais? Il faut trouver ma fille. Tous les trésors de ma maison, prenez-les, ils vous appartiennent. Je l'ai déjà pris, mec, je sais pas loin de ton avis. Voyagez jusqu'au bout du monde s'il le faut, mais ramenez-moi mon Elowyn. Faldan, ma maison est remplie d'ennemis. Je suis trahi de toutes parts. Si vous apprenez des nouvelles de lui, entamez votre quête. Si t'avais pas chassé Valdan, connard, comment dire, espion qu'il est au service du seigneur. Okata aurait pas pu t'emprisonner, connard. Déjà perdu. Il faut trouver ma fille. Ça a l'air que tu es un connard, bon. Voilà, la clé du donjon ouvre ça, et normalement la clé noire, ça ouvre ça. Voilà. Donc la clé de Gemini Rickett ouvre ça. C'est des vouivres, mais beaucoup plus énervés. Genre beaucoup plus énervés. Beaucoup, beaucoup plus énervés. Leur capacité à cracher du poison au travers des murs est assez... Pour dingo, faut avouer. Quand tu veux, hein, louloute, hein, tu arrêtes de... Il y a 37 000 XP chaque, hein. Sans tuer 3 ou 4, c'est plus de 100 000 XP, hein. Là, comme ça. Ah, t'as ramassé une épée de merde. Non, je t'assure, c'était vraiment pas la peine de ramasser cette merde. Plus de 100 000 XP, hein, que vous avez comme ça caché derrière cette porte qui s'ouvre encore une fois avec la clé possédée par Gemini Rickett. Et un coffre bien sûr derrière, sinon c'est pas drôle. Si on save scum ce coffre, qu'est-ce qu'il va nous donner ? Chain pro-feu. Armure 13, pro-feu plus 1%. Ouais, il y a un moment dans le jeu où tu veux de la protection contre le feu, mais... Ouais, c'est naze. C'est naze. Non, c'est vraiment naze. Hein, on va pas se mentir. D'autant que... Moi j'ai une chain pro-feu, mais qui n'a pas de résistance au feu notée. Hein. Par contre, elle a la force et de l'agilité, parce que pourquoi pas. C'est vraiment, a priori, toujours la chaîne pro-feu. Hein. Et tant pis, hein, on va prendre la chaîne pro-feu. Hein. Ce bouclier, il est aussi pro-feu.
Voilà. On en a fini avec le château du seigneur d'Avenmore. Il faut trouver ma fille. Entamez votre quête. Retrouvez ma fille. Et maintenant, du coup, la ville est purgée de tous ces vilains. Alors, la question, c'est est-ce qu'on veut essayer d'aller faire un saut à... au manoir de la crème, là. Enfin, la ville est purgée de ces vilains. On comprend, hein. Les mobs random lambda, ils seront toujours là. Malheureusement, ça vous en débarrasserez jamais. Jamais. Jamais! Au grand jamais! Bonjour, noble héros. Ça fait plaisir de voir qu'enfin tu peux arrêter de dire. Halt, identifiez-vous. Bonjour. Voyons, tu pourrais me causer un peu, connasse. Un peu de me snober là. Tiens, toi, au fait, la louloute. Pour qu'on cause. Je cherche l'aigle perdu. L'aigle perdu? Alors vous aussi cherchez le fils de Grimard? Il faut que vous rencontriez une certaine femme, mais elle a quitté Fargrove à la suite d'une découverte de grande importance. Vous la trouverez aux ruines de la Herse, au-delà des pierres rampantes. Pour trouver les ruines de la Herse, allez à l'est, le long de la route de la Porte Sud, à partir de Fargrove. Puis dirigez-vous au sud pour pénétrer dans la contrée des Demi-Gottes. Quand vous aurez atteint le lac Effroi, suivez la piste le long de la rive ouest. Méfiez-vous, on dit que les pierres rampantes... Dame Eloïne était prise du fils du seigneur Gré. Bonne route, ma sœur. Alors du coup... cette nana Mara, qui est censée nous mettre sur la piste pour retrouver Valdan... elle est en train, quand vous la trouvez, elle est en train de se battre contre une bonne dizaine de ninjas qui sont au niveau 24. De vous revoir aux armes d'Argus. Et du coup, c'est bon pour l'XP, leur casser la binette. Lance-flamme. Je la prendrai automatiquement. Un sort de magicien. J'ai juste oublié de regarder une chose, mec. Donc, en fait, si vous leur achetez pas toutes leurs trousses de réparation, ils ont une chance d'en restocker à chaque fois que vous leur parlez. Par contre, si vous leur achetez toutes leurs trousses de réparation, c'est dans le cululu. Nous vous saluons, noble héros. Je me salue moi-même. Noble connard. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pas sortir de la ville tout de suite. Hop, si, hop, allez. On va vers le Lake Dread. Donc là, dans cette partie, vous allez être attaqué par des mobs de très bas niveau. Je disais donc des mobs de très bas niveau.
Disais-je. Alors, je reviens dans une minute. En route. For the lands of the demigods. Alors, on pourrait aller au nord. Il y a un téléporteur loin au nord. Hey, en parlant de téléporteur. Oh, Coco. Coco. J'ai pas pris le téléporteur de... Fargrove. Bah non. Voyons, bah non. A priori, il me manque encore 6 points au moins de compétences là. Après, on s'attaquera à réparation. Pour le booster. Puis après, il faudrait qu'on s'attaque aux compétences d'armure ainsi qu'à athlétisme. Et vous savez quoi? Du coup, je vais peut-être aller faire un saut à l'église. Pour voir s'ils n'ont pas le sort de... Noble héros. Nous vous saluons, noble héros. Je me salue moi-même. Noble zéro. Trop drôle comme mec. Je pourrais aller voir l'église s'ils n'ont pas le sort de protection contre le feu. Bien que j'ai un bouclier 35% résistance feu. J'ai une armure 20% résistance feu, ça fait déjà 55. Si j'utilise mon buff de super guerrier, j'ai plus 30%, vous voyez. Donc je peux avoir... Ben bon, c'est temporaire le buff de guerrier, donc... Ouais. Voilà, la Fargrove Arindel Talindor. Tu t'étais quand même fâcheux de ne pas profiter pour faire un saut ici, quoi. Regarde où tu vas, connasse. Pas le temps, je dois rencontrer un homme à propos d'une licorne. Pourquoi t'as envie qu'il te montre sa grosse corne? Oh non, ben non, on va! Pas ce genre de blague. C'est lourdingue. Tu vois, monsieur le garde? C'est comme ça qu'on s'occupe des problèmes dans la rue. Revoir, ma sœur. Prends-en de la graine, mon pote. Poto, est-ce que tu as des sorts intéressants? Rayon solaire, rien à foutre. On va l'apprendre, hein, je veux dire. Alors ça coûte rien de pas les apprendre, hein. Et là, s'il n'a pas le sort de résistance au feu. Ah, apparemment, j'ai acheté des sorts que je connaissais déjà. Soit. Que les étoiles veillent sur vous. Je remplis mon livre de sorts. Alors, on a régénération. Bon. Ça rend 50% de TPV, c'est 300 PV, hein. c'est autrement plus que ce grande potion de guérison qui en soigne 70. Cooldown 2 minutes par contre. Hein. C'est bon de vous revoir, ma sœur. Et c'est pas cher en mana, mais le cooldown de 2 minutes est... fait de ce sort un sort difficile à caser en vrai. Et pour quelle façon je n'ai pas de raccourci, vous voyez, c'est un peu triste. Y a pas assez de slots de raccourci clavier là-dedans. Tristement. Oh, je one-shot même les brigands. Eh ouais, tu peux arriver. Mec, t'as pas l'impression d'arriver après la bataille? Non, du tout. Ça va, tu es satisfait
Bah écoute, si t'es satisfait de ce que tu fais, mec, change surtout pas. On change pas une équipe qui gagne, hein. Et toi, tu m'as l'air d'être un sacré winner. Nous vous saluons, noble héros. Nous vous saluons. C'est vrai que c'est quand même mieux que Alt, identifiez-vous, tu vois. Eh. Maintenant, on ne traite plus comme... t'es qui, toi, avec ta gueule de con, vous voyez. On reconnaît enfin mon talent et ma valeur et... Et toutes ces choses. Bon, là, on les reconnaît moins, hein, mon talent. Parce que putain, trois gobos, qu'est-ce que j'en ai à foutre. C'est tout ce que tu as à me jeter au visage, le jeu. Trois gobos. Alors, soit tu me jettes rien au visage, soit tu me jettes trois dragons. Choisis l'un ou l'autre. Mais là, on n'est pas assez avancé. Je rappelle, non, mais... Quand je suis sorti pour aller vers Arindel, en fait, savoir que j'aurais pu franchir cette porte. Parce que, de toute façon, il y a une quête de seconde classe qui nécessite que vous passiez par là. Donc, de toute façon, j'aurais pu passer par là depuis très longtemps. Je ne l'ai pas fait parce que je sais que j'avais strictement rien à foutre là. D'un point de vue purement personnel. Mais j'eus pu vouloir venir quand même. Je veux dire, à un moment donné, j'eus pu. Faites chier, vous. Allez mourir. Parce que je rappelle qu'à la base, je suis magicien. Alors, ça se voit plus beaucoup, là, maintenant, vu que j'envoie des mandales puissance 1000 à gros coups d'épée dans la tronche. Mais en fait, ma carrière numéro 1, c'est guerrier. J'ai commencé mage, pourquoi? Pour apprendre automatiquement tous les sorts à chaque niveau. Parce que j'aurais commencé guerrier, ce que j'aurais appris automatiquement à tous les niveaux, c'est ces skills de guerrier, tout pourrave. Les sorts de mage, je les aurais pas appris automatiquement à tous les niveaux. Ça aurait été dommage. Notez. Ça aurait été tout à fait dommage. Je crois que... Non, à mon avis, on n'était pas loin d'un plantage. Donc, ça fait quelques heures que le jeu est lancé. Et ça reste un jeu qui est d'une stabilité... discutable. De toute façon, là, je suis toujours pas au croisement qui vous permet de choisir entre la zone au nord et aller vers Skulldun au sud. Hein. C'est là-bas, ce fameux croisement. Docker. Vous, je vous loot, pourquoi? Parce que vous pouvez avoir des potions de mana. Et on a un casque de druide d'intelligence. Ah non, c'est des gants de druide d'intelligence. Armure 12, intelligence 2. Je gagnerai 2 en intel, mais je perdrai de l'armure. 2 en intel, c'est pas impressionnant au point que je me dise « Si, il me faut absolument ça. » Non. Non, 2 en intel. Intel juste 58, si vous voulez, c'est pas... Alors, ces loups sont des loups à 3000 XP, hein. Des loups enragés, hein. Putain, 3000 XP pour des mobs aussi tocards. Vas-y, le jeu, jette-moi encore. J'accepte avec grand plaisir. Ouais, je suis pas comme ça, moi. Ceci est l'entrée des Northern Steps. Ah, vous êtes dans l'eau.
Alors, je reste sur un bateau, on dirait le bateau cool. Je suis dans l'eau. Bon, encore une fois, pensez Morrowind, les gars. Lancez ma manœuvre trop tôt. Pensez Morrowind, vous êtes dans l'eau. Vous faites bouffer le cul par des par de la poiscaille. Hein. Pensez Morrowind. Donc là, il y a une tour. C'est la tour de je sais plus quoi, là. Alistair, il t'a dit à un moment donné qu'il connaît un mage qui a je sais plus quoi, là. Bâton de feu de gobelin, ouais, c'est naze. Gagner un skill point, waouh, trop le mec fort. Un jour, il faudra venir ici pour apprendre à aller dans la vallée des druides. Je crois que là, c'est trop tôt. Je crois qu'il faut avoir vu Staroxia d'abord. Tu vois quoi, poteau? Épaulette démoniaque. Dissipation du mal, niveau 25. Mazette. J'ai acheté ça. Lévitation, niveau 27. On va acheter tous les sorts de prêtres de très haut niveau. Pour l'instant, tu ne peux pas agir plus avec lui parce que tu n'as pas vu Staroxia. Il faut avoir vu Staroxia pour que lui t'explique, je crois, comment utiliser le portail runique qui mène à la vallée des druides. Rire des balistes. Il y a un portail quelque part, je sais plus où, dans ce patelin pourri. C'est ça que je viens chercher en fait, hein. Sans ça je serais parti sauver la nana attaquée par les ninjas, mais elle peut attendre. Allez, 4 points encore a priori pour arriver à 16 en bâche. Je crois que le portail il est loin là-bas sur la gauche, mais je peux me tromper. Je ne sais plus, hein, ça fait longtemps que je suis pas venu ici. Borlotte, comme Jean-Louis. Je m'en fous, là, je ruine la tronche à tout le monde à coup d'épée maintenant. Là, je suis un peu en mode rouleau compresseur, là. Il y a un point dans ce jeu, c'est quand tu commences à choper des armes vertes, bleues. D'un seul coup, tu te transformes en rouleau compresseur. Tu deviens inarrêtable pour le commun des mortels.
Regardez le maître voleur. Il en veut, hein. C'est bien, mon gars. Encore une sucette. Ouais, le portail, il est là. Terre du Nord. Et maintenant, direction Lake Dread. Comme là, Jean-Louis. Merci pour l'XP. Et les points de compétence, hein, surtout. N'hésite pas à revenir. Alors, en théorie, un score d'intelligence élevé est censé faire en sorte que les points de compétence rapportent plus d'XP. Comme sur Wizards and Warriors, finalement. Un arc, j'en ai pas rien à foutre. Il vaut 1000 balles, hein. Dégâts 3-7, je veux dire. Ok, mais Shuriken, c'est que dégâts 4-6. Bon, tu me diras 3-7, 4-6, c'est les mêmes dégâts. Cet arc tire plus loin, mais mes shurikens, ils empoisonnent. On voit les dégâts, là. Mes shurikens, dégâts... 4-6, disions-nous. 4-6. Ouais, les dégâts des shurikens. Il semblerait que la force booste les dégâts des shurikens. Et comme ils sont de qualité verte, le scaling avec la force est beaucoup plus élevé que s'ils étaient de qualité blanche. Voilà. Oh putain, je me suis fait plaisir avec les shurikens là. Les shurikens scale avec la force visiblement. À l'arc, non. C'est sûr. Du coup, yeah boy. There is a dungeon here. Voulons-nous essayer d'attaquer ce donjon? Je suis pas sûr qu'on ait la clé pour y rentrer. Je crois pas. Je suis la sentinelle. Pareil pour toi. À ma vue, car ici se trouve la tombe des âmes. Oui, j'ai pas le droit de rentrer. It's too early. Mais I wish to enter. Pourquoi je suis venu ici? Laissez-moi entrer. Partez. Du vent, le mendiant. Je me suis un peu fait humilier par une porte. Ouais, tout guerrier que tu sois, n'oublie jamais cette leçon. Reste humble face aux portes. Oh oui, encore des loups à 3000 XP, s'il vous plaît. Ah. Non, ceux-là, tu peux te les garder, le jeu, par contre. Je ne suis pas intéressé par tes loups à 200 XP. Les loups à 3000, par contre, là, je dis pas non, hein. Dum dum da 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 dum 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 ni da dum.
On hausse. Allons à 200 XP. Oh, je vais mourir. D'ennui, peut-être. Ah, peut-être, peut-être. À l'idée de gagner 200 XP, vous voyez, c'est... Je me suis tant battu pour gagner que 200 putains d'XP. Ouais, c'est ça. C'est quand tu réalises tristement que tu as voué toute ta vie à un combat éternel pour gagner 200 XP. Cette araignée, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Quand tu veux le jeu, tu peux jeter des vrais mobs. Alors là, il y a souvent des gobelins sur cette tronche à la con, là, des gobelins de merde qui servent à rien. Je suis vraiment grossier, mais bon, avec l'idée de penser, c'est temps perdu de tuer les gobelins. En même temps, si tu les tues pas, ils te poursuivent jusqu'à la fin des temps, là. Extraordinairement saoulant. Bon, moi, il se trouve que je vais devoir partir. Je suis bien sur ce jeu, hein. C'est un jeu qui est tout à fait honnête. C'est pas le meilleur David Bradley. Pour moi, j'ai déjà dit, le meilleur David Bradley, ça reste Wizards and Warriors. Indéniablement, il a un certain charme, bien qu'il soit extrêmement vieillot, qu'il est en plus particulièrement mal vieilli au niveau de sa 3D. La 3D était déjà moche quand il est sorti, mais alors aujourd'hui, c'est une atrocité. Les décors de Wizards and Warriors. Celui-ci, en fait, d'une certaine façon, essaye d'être Wizards and Warriors moderne. Vous enlevez les combats en pseudo tour par tour, qui sont pas vraiment du tour par tour. Vous assumez le temps réel. Vous assumez vraiment un certain nombre de choix. Et le système de progression, somme toute similaire de celui de Wizards and Warriors, quand tu gagnes des niveaux, tu as des points de compétence et des points de carac. Du coup, c'est cette version du jeu. Non, là, les voleurs, vous pouvez rester chez vous. Vraiment, je vous dispense de venir. Oh. Les chauves-souris qui valent trop d'XP pour être one-shot. Intéressant. Un feu, généralement, qui dit feu dit coffre. Alors, les feux, tu pouvais les utiliser sur... En fait, je suis pas allé du tout assez au sud, si. Non. Sur la Collector's Edition, tu pouvais utiliser les feux pour faire passer le temps. Parce que la Collector's Edition se passe dans une ambiance toujours sombre. Il fait toujours nuit sur la Collector's Edition, quelle que soit l'heure du jour, de la nuit. Il fait toujours sombre, il fait toujours noir, il fait toujours nuit. Alors, je sais pas. Vous verrez jamais le soleil sur la Collector's Edition. C'est l'une des choses que j'apprécie beaucoup sur cette Steam Edition. Et vous avez du jour. Alors, elle est là, Amara, assiégée par sa horde de ninjas. Quoi, qui veut se battre? Je vais faire un peu de rab quand même. Oh, t'as l'air intelligent toi, dis donc. La magie a pas l'air de t'impressionner des masses, d'accord. Par contre, mes coups dans ta gueule, si. Ouais, là, les ninjas. Ah, ils sont au niveau 8! Oh, la déception!
À l'aide, on m'assassine. Au secours à l'assassin, on m'a volé ma cassette. Je vois que tu t'en sors très bien contre tes assassins, dis donc. Vous arrivez au bon moment. Les intentions de ces assassins n'étaient pas bienveillantes. Et leur présence ici signifie que je ne suis plus incognito. Je suis Mara, fille du seigneur Grémar de Rotten. J'ai voyagé déguisée à travers ces terres, à la recherche d'informations concernant mon frère, Valdan. Mon frère était capitaine de la garde royale du seigneur d'Avenmor. On lui avait confié ce poste pour honorer l'entente entre mon père et le seigneur d'Avenmor. Cependant, il est clair maintenant que les motivations de mon frère allaient bien au-delà du simple devoir. Cela faisait un certain temps qu'il était secrètement amoureux de Dame Meloween, la fille du seigneur d'Avenmor. Ils avaient dû dissimuler leur romance à celui-ci, car un soir, d'Avenmor annonça de manière inattendue qu'il avait promis la main d'Eloïn au seigneur Barrogrim pour conclure une trêve et mettre fin à la guerre. Quand Eloïn apprit cela, elle refusa et confessa son amour pour Valdan. La furie s'empara du seigneur d'Avenmor et Valdan fut arrêté peu après. On escortait mon frère à une prison à l'extérieur de Fargrove quand les soldats du seigneur Barrogrim les prirent en embuscade. Valdan arriva à s'échapper. Pour des raisons peu claires, au lieu de s'enfuir à Rotten, il essaya de se réintroduire en cachette au manoir d'Avenmor en Fargrove. Peut-être souhaitait-il désespérément voir Eloïn. Peut-être voulait-il se venger du seigneur d'Avenmor. Je ne sais pas. J'ai seulement pu apprendre qu'il a été repris et livré à des marchands d'esclaves de Migoth. J'ai suivi la piste des marchands d'esclaves de Migoth aussi loin que j'ai pu. Ils se dirigent vers Skull Dun, une enclave de Migoth contrôlée par un puissant seigneur de guerre appelé Vartog. À vrai dire, je ne sais pas grand-chose sur lui, si ce n'est qu'il dirige clandestinement un réseau de voleurs, d'assassins et de trafiquants, que mon père s'est fixé l'objectif de le chasser hors de Rotten. Je suis sûre que c'est Vartog qui a envoyé ses assassins, ce qui veut dire qu'il sait que je suis ici. Je n'ai pas d'autre choix que de m'en remettre à vous. Vous êtes le seul qui puisse vous aventurer dans ces contrées et libérer mon frère. Allez à Skull Dun et remettez ma missive à Vartog. Elle prouvera que la maison de Grémar désire une trêve et est prête. Un tel marché avec Vartog coûte... Je m'en vais rejoindre le camp de mon père. Bon voyage. C'est bien. Parle trop, toi. Effectivement, vous commencez à avoir beaucoup d'objets de quête, hein. Oui, vous aurez beaucoup d'objets de quête. Je veux dire, oui, ça va sortir clairement du cadre du sac. Bon. Hop, t'as pris un coup de boule, toi. Coup de boule dans ta... Dans ton boule. Ça m'oblige à voir l'animation la plus affreuse de... Oh putain, bon, pourquoi j'ai encore mon shuriken, moi? Range le shuriken, sort une vraie arme. Ah ah, j'ai 16 en coup écrasant. On va maintenant pouvoir commencer à investir plus en réparation, en canal. Channeling, hein, ça a été traduit par canal. Canalisation, ça aurait été mieux en français, bon, que voulez-vous. On va tout avoir. Deux dévoreurs. Apparemment, ils aiment pas. Autant la magie s'en fout, autant les coups d'épée dans la tronche, ça les impressionne déjà un peu plus. Bah vas-y, on va leur mettre mon épée dans la gueule, hein, je veux dire. Ce qui est appréciable avec ce jeu, c'est que tu peux vraiment faire toutes les combinaisons de classes que tu veux. D'un certain côté, ça peut faire penser à du Elder Scrolls au niveau de l'idée. T'as pas des classes qui te bloquent, qui te verrouillent. Genre, t'es magicien, tu pourras jamais toucher une épée de ta vie, ou oui, au départ, t'es magicien, tu peux pas toucher d'épée, mais comme tu as le droit d'avoir une deuxième classe, tu prends guerrier en deuxième classe, et du coup, voilà. Et en classe avancée, si tu fais une femme de guerrier, tu peux passer sur Valkyrie, et tu peux même rajouter la magie cléricale à ton offre de compétences.
et avoir un personnage qui va être balèze en absolument tout. Tu peux faire ça sur ce jeu. Faut avouer, c'est extrêmement satisfaisant. Mais du coup, ça fait des personnages qui sont vraiment surpuissants, quoi. Parce que bien évidemment, tu vas pas vouloir te spécialiser. Pourquoi faire en classe sorcier, ne pas prendre de deuxième classe, et faire en classe avancée, la classe avancée est liée à sorcier pur, et en classe finale, la classe avancée de la classe avancée de sorcier pur. Du coup, tu prends pas de classe secondaire et tu restes vraiment obligé d'être genre mage pur toute ta vie. Ouais, pourquoi pas, je veux dire, techniquement c'est possible, je veux dire, mais c'est bien évident que personne n'aurait d'intérêt à faire ça, mais encore une fois, c'est possible, c'est tout à fait possible, vous pouvez, si vous voulez, décider de faire vraiment une classe typée pure sorcier, et de vous créer votre propre challenge, en fait, parce que c'est toujours l'idée. L'idée, c'est se créer son propre challenge. Sur ce genre de jeu qui peut devenir trop facile si vous le connaissez un tant soit peu, se créer son propre challenge, si on a envie de rejouer, re-rejouer, etc., c'est toujours une idée qui vaut le coup. Je veux dire, quand je joue à du Might and Magic 6, par exemple, je joue souvent solo chevalier ou des trucs comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est du challenge. C'est sûr que si je joue 4 mages à chaque partie, je vais rouler sur le jeu, quoi. Vous voyez ? Donc ça m'arrive d'avoir envie de rouler sur le jeu, hein, juste pour le plaisir de rouler sur le jeu. Mais parfois, t'as envie de... d'un peu plus de challenge, d'un peu plus... prendre des risques, ou... essayer des choses, ou... sortir de ta zone de confort, d'une certaine façon. Et donc, bah, tu vas faire une Might and Magic 6 sans jouer de mage. Une idée un peu folle, à vrai dire. Mais du coup, voilà. Donc c'est la même chose là, tu peux vraiment essayer de faire un perso qui ressemble à rien. Genre un mage, avec en deuxième classe éventuellement voleur. En classe avancée, tu prends une classe avancée... mage pur et une classe avancée hybride mage voleur. Pour rester vraiment, encore une fois, dans la thématique je reste mage. Je prends une deuxième classe, mais pas une classe qui va faire de moi une machine de guerre, vous voyez. Non, 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 non. Tu vas aller 16 000 XP, toi ? Mais non, pas tellement costaud. T'avais deux épaulettes, toi. La peur de manquer. Et les deux, c'était de la merde, en plus, hein. Oh, la peur de manquer, hein. Ça sert à rien de le dire. Bon, votre stuff, c'était du caca, les gars. Hein. On va arriver à Skulldoon. Puis je vais m'arrêter là. On est en train de flexer comme des petits fous, là. On roule sur le jeu et on pexe comme des petits fous. Allez, on va continuer à monter athlétisme parce que en théorie, ça augmente notre vitesse de course et notre vitesse de nage. Ah, peut-être que je monte ma vitalité un jour. J'ai pas le sentiment de manquer de points de vie. Oh, miam miam! 3 vivres embrasés, 100 000 XP, bim! Bon, par contre, eux, ils sont chauds à tuer. Sans mauvais jeu de mots. Parce que des mobs embrasés, chauds à tuer, tout ça.
Oh là. I've been poisoned. I've been stunned. I've been stunned, poisoned. Mec, tu veux la jouer comme ça? No problemo, Bart. Découvre a shuriken of death. Alors, t'en dis quoi, mes shurikens, mec? Dégâts 4 à 6. Ça fait pas plaisir, un connard! Ha ha! Ouned! Alors, les points de vie, j'ai 725. Je passe là. Comme vous le constatez, je passe à 771. C'est bien. Bon, c'est bien. C'est pas... c'est... ça change pas grand-chose à ma vie. Je vais monter l'agi parce que c'est la vitesse d'attaque. Et on a des points de compétence. Donc, on va monter ça à 4. On va monter la mode de plaque à 3. La cote de maille à 3. La mode de cuir à 3. Des réparations, hein. Effectivement, j'ai l'impression de courir un poil plus vite. En fait, tu peux annuler une partie de ta pénalité de déplacement. Alors, si tu as choisi comme race demi-goth, si tu as chez le marteau, là, le mec là, tu peux lui... tu peux te faire offrir un marteau... non, offre spéciale, marteau du tonnerre, qu'il refuse de te vendre si tu n'es pas demi-goth. Un peu comme si tu es elfe. Le forgeron elfe te propose de te vendre une épée particulière. Qu'est-ce que tu vends-tu, mon ami? Bon, probablement de la merde par rapport à ce que j'ai, hein. Une seule trousse de réparation, oh boy. Épaulette de Naga. C'est nul. C'est de la merde ce que tu vends, mon ami. En espérant vous revoir. Et n'oubliez pas, j'ai un arrivage de première. Ouais, de première. Bon, Kaldun, pour la prochaine fois. Là, on a un perso, il est... il est en route, là. Rien à dire de plus, qu'est-ce qu'on veut monter? Canalisation, on va continuer à monter les compétences d'armure parce qu'effectivement, a priori, ça aide bien à compenser les pénalités de déplacement. Donc, courir un peu plus vite, c'est toujours cool. Augmenter la compétence athlétisme, ça peut pas faire de mal. On a vraiment monté bâche à 16, donc c'est très très bien. Réparation, faudrait le monter parce que plus tu as en réparation, en théorie, plus tu peux soigner de durabilité avec tes outils de réparation. Et comme celui-là avec 150 en durabilité, c'est pas beaucoup, beaucoup, hein. On risque d'avoir besoin de plus. La prochaine fois, on s'attaquera aussi à l'arène. On va farmer un peu l'arène. XP facile. Ciao tout le monde.